Et bonjour à toutes et à tous, ici Black The Nuts. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Far Cry 3. Far Cry, c'est génial. Alors, pour la petite info, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Je suis à la tour de Rook Point. Et qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'extrémité sud de la première île. Parce qu'en fait, oui, il se trouve qu'il y a une deuxième île. Tout ce qui se trouve ici, c'est la deuxième île. Oh, jolie nouvelle. Et maintenant, il faut savoir que j'ai nettoyé toute la zone. Tout, regardez, c'est tout vert, c'est tout beau, c'est tout magnifique. Enfin, toute la zone est sûre. Toute cette île m'appartient enfin. Et donc, tout est sûr. J'ai fait un peu le ménage. Du coup, maintenant, les habitants de Rook Island vont enfin pouvoir sortir. Sortir et ne pas avoir peur. Pas avoir peur des bandits, des représentants. Oh, les jolis phares. Des bandits et pas avoir peur de se faire tirer dessus. Bon, à part par moi, mais ça. Ouh, un buggy. Et du coup, on va directement continuer l'émission principale en allant retrouver Buck une nouvelle fois. Mais pour ça, on va peut-être plutôt se téléporter, ce sera plus simple. A tout de suite. Heureusement qu'il y a toujours une petite Jeep qui m'attend. Avec ma vaillinée préférée. Salut toi. Ok, c'est parti. Alors, par où il faut que j'aille déjà? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr de la direction à prendre. C'est par ici à droite. C'est parti. Je vous suis les mecs, allez-y, passez devant. Eh, hey, vous êtes bien armés, dis donc. Ah, c'est facile une fois que tous les ennemis sont partis. Ah là là. En tout cas, c'est Vaz qui va être content que j'ai récupéré cette île. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le meilleur qui a gagné, encore une fois. Regardez-moi ça, ils glandent comme des connards. Oh, tu vas faire la course? Hein? Tiens, take down. Enfoiré. Oh. Je vais peut-être regarder la route quand je conduis, non? Ouais. Je pense que c'est une leçon à prendre. Oh. Bon bah. Bon, tentons le tour pour le tout. Ah, y'a de l'idée. Bon. Je pense qu'on peut abandonner. Merde. Ah, les véhicules ne sont vraiment pas mon fort. Bon, si je regardais la route, c'est vrai, c'est vrai. Je le conçois, je l'avoue. Mais bon. Ah non, c'est un faux quad. Bah, tant pis. Continue, récupère ça. C'est toujours utile. J'ai quand même pas y aller à pied. En plus, c'est en haut, je suis en bas. Ça m'arrange pas, ça. Hey, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Ah! Mais tu lui enlèves son vagin? Mais c'est dégueulasse. Bon, tu veux que je t'emprunte ta voiture? C'est pour un cas de force majeure, ok? Hein? Allez, ciao! Et si quelqu'un te cherche des emmerdes, tu diras que c'est Biquette! C'est Biquette qui t'a pris ta bagnole! Bon, c'est par ici, je crois. Il faut vraiment que je regarde la route, par contre, c'est vrai. C'est vrai, c'est un truc qu'il faut que je garde en tête. Bon, je crois qu'on arrive. Bucky nous, c'est moi! Putain, mais depuis que j'ai libéré cette île de merde, regardez-moi ça! C'est un gros bordel! Mais tu vas me faire rentrer la bagnole ou quoi? Non mais ça va bien, oui. Tous des tarés de la route. On est où ici? Qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre? Non mais c'est vrai quoi, depuis que j'ai libéré cette île, les raquettes, on dirait qu'ils spawnent pour les rois du tuning là. Ils démarrent en burn à chaque fois que je les dépasse. Non mais ça va bien quoi. Ils se la jouent. Non, j'accepte pas ça. Je vais bientôt leur montrer, leur prendre un peu de respect et leur montrer qui est le chef. Ah là là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est pour les trous du cul ici. Je peux pas passer. Je peux pas passer. C'est du foutage de gueule ou quoi? Il y a une échelle juste ici. Mais laisse-moi passer. Proti. Mais force-toi, lance une grenade. Oh. Je crois qu'on se fout de ma gueule là. On va passer par... Oh, ok. Si tu veux descendre, tu descends. Tu pourrais me demander mon avis avant. Si on passe par ici. Oui, ça le fait. Ok. Oh, c'est compliqué tout ça. Buck, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'on est ici? C'est quoi? C'est une mine? C'est... Toi aussi tu veux que je joue à Minecraft, c'est ça? Je te sens venir, Buck. Comment est-ce que... Le farceur, t'as décidé de prendre ton temps là, non? Moi, tu sais, je commence à craindre que ton cœur n'y soit plus. Mais Jason, ça va aller. Regarde Kiss. Kiss,
Kiss, lui, il est tout le temps en train de pleurer. D'ailleurs, il commence à me casser les couilles. Fermez-la. Non, on a une autre leçon d'histoire à voir. Sois attentif. T'as pas oublié Zhang He et sa flotte célèbre qui recueillait des richesses pour les Ming. Tu t'en souviens? Oui, monsieur Bok, bien sûr que je me rappelle. Voilà ce que tu dois dire quand je te pose une question. Tu me réponds, ok? Eh bien, ce con de Zhang He, il a un capitaine Ling Kang. Et Ling Kang décide de disparaître avec le Shaoyang dans la Calais. Et oh, l'enfoiré, quoi. Trésor, et il s'installe juste ici. Il c'est pas vrai. Les locaux. Mais Zhang He, il est fâché, Zhang He. Ah bah oui, je comprends, ouais. Il ruine son empire en quelques années. Ah, l'enculé. Mais où est donc passé le trésor? Ouais. Excellente question, petit Jason, on voit que t'écoutes. Eh bien, le trésor. Personne ne sait où il est. Il est plus sur le bateau. Et Ling Kang envoie les secours, disparu. Les chasseurs de trésors cherchent le magot depuis ce temps-là. Les Japonais eux-mêmes ont mis l'île à feu et à sang pour ça, mais personne n'a trouvé. Et maintenant, c'est à toi, Jay. Courage. Et bonne chance. Ça m'explique pas ce qu'on fait dans une mine. Mais... il est disparu. Il t'a disparu. Fais plus jamais ça, ok? Je la joue Batman, là. Bon, explorer les mines pour trouver le troisième morceau de boussole. Bon, on va faire ça. Pas comme si c'était voué à une mort certaine. Dans une mine abandonnée, complètement désaffectée et pas sécurisée. Une grotte qui demande qu'à s'effondrer. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. C'est moyen des gens déjà. Vast, t'aurais quand même pas emmené tes amis ici. Ça serait dommage. Ça serait. Quel con. Oh putain. Oh le trou du cul. Ah, le trou du cul. Ça commence bien. Boum. Voilà. J'aime pas le feu, c'est... Aïe. Ah, ça brûle. Ça brûle. Mais pourquoi tu brûles encore? Bon. On va dire que c'était une erreur. Une erreur d'appréciation du danger. Ça ne se reproduira plus. Bon, Brody, j'espère quand même que Keith, il est sympa comme mec. Parce que là, avec tout ce qu'on fait pour lui, il pourrait être reconnaissant, hein. Il a intérêt à l'être. Ouh, on dirait qu'ils veulent juste que je fasse ça. Mais ça va, oui. Je me suis cramé le cul tout seul. Eh les mecs, wouh. C'est ta flambée ce soir. Pour votre plus grand plaisir, mais toi tu... Oh. Je crois que les gens n'ont pas compris que ça faisait mal le feu. Ah bah voilà. Non mais de toute façon c'est pas plus mal. On va commencer avec des bonnes bases, des bases saines. Mais c'est parti, on y va. On n'a pas peur, on est des soldats, on est des vrais. On n'a pas peur du noir, bon un peu quand même. Mais pourquoi tu pousses autant? Et pourquoi t'es pas poussé? Ah si t'es poussé autant la première fois, je sais plus. Voilà, le premier. Tu sais, je suis pas en bois pour faire s'effondrer le plafond, j'avais pas vu ça avant. Bon dieu de merde. Mais c'est n'importe quoi, il m'avait pas vu. Bon ok, c'est pas grave, tout va bien. C'est ça, il est super en bois. Bon, on va peut-être pas tout faire s'effondrer non plus, s'il faut que je me barre d'ici. C'est un peu stupide, non? Je sais pas. Bon par contre, pourquoi j'ai pas compris le coup du cocktail Molotov? Il m'en met un ici, a priori il faut que j'utilise, mais... Reprends-toi. Mais reprenez-vous les mecs. Ouh. Ah là. C'est un peu job par ici, non? Il y en a d'autres. Non, ça va. Allez, arrête de flamber toi, arrête. Merci. Bon, concrètement, c'est vraiment pas la meilleure technique. J'aurais dû avoir un plan avant d'entrer là-dedans. Mais bon, à défaut d'un plan... Vous y allez avec nos couilles. Ouh, je dors pas mal ça. Je dors pas mal ça, on dirait des torpilles. Et wouh. Faut que je sois dedans un moment ou... Ah non, parfait. Parfait. Oh, salut les mecs. Je recharge, attendez deux secondes. Merci, c'est gentil. Oh putain. Encore quelqu'un?
Salut! Pas vraiment d'humeur à faire un barbecue là. Ah bah si, Brody, je veux pas dire, mais là, 2-3 merguez, ça passerait quand même pas mal. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça que je voulais. Récupère ton arme. Récupère ton arme, merci. Bon, maintenant que j'ai récupéré les goodies, je continue ma quête à travers les cavernes sombres et ténébreuses de l'enfer. Ça, j'ai jamais compris, là, ces espèces de faux tirs, là. Comme si ça avait déjà... Ouais, regardez-moi ce bug, regardez-moi ce bug en live là! N'importe quoi! Boom! Headshot! Boom! Presque headshot! T'as les prix qu'il croyait prendre? Le cul de la fermière, hein? De la crème. Quoi? Allez, on y va! Ah, c'était pour censé me couvrir des snipers? Moi, je crois qu'à ce niveau-là, on est plutôt tranquille. Bon! Je suis moyennement satisfait de cette mission là. Qui est là? Quelqu'un? Pourquoi je vous vois pas? Mais... Ah, t'es là! Ah, bonsoir! Putain, tu m'as fait louper ton headshot! Ouf. Ça flambe par ici! Mais arrête de bouger! Qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà! Pas chercher trop loin. Vous êtes tous cons! Voilà! Ça, c'est dit, c'est fait. Par contre... tyrolienne? J'aime bien la tyrolienne, mais je peux pas monter ici. Ouais, non, mais vu que Brody est un con, on peut pas faire les choses correctement. Bon! Quoi? Ah! Oh non, on va pas se fatiguer très longtemps. Voilà. Non, et puis c'est vrai quoi, Brody, t'as autant de jugeotes qu'une poule morte. Ah, si seulement Denis était là. C'est vrai après tout. Ça fait longtemps que j'ai plus vu Denis. Où es-tu, Denis? Où es-tu? Toi qui me susurrais des petits mots doux à l'oreille pendant que j'étais assoupi. Toi qui avais cet accent si exotique dont toi seul t'as le secret. Ah, toi qui sentais si bon la frangipane. Denis. Tu n'étais qu'amour et sincérité. Denis, nous retrouverons-nous un jour? Retrouverons-nous un jour? Denis, toi mon seul ami. C'est vrai qu'il m'a rendu dormir quand même ce qu'on a, hein. Il m'a rendu dormir. Putain de taré. Je suis bien content de pas retrouver ce trou du cul en fait. Trouver la porte étrange sur le site de fouille. Porte étrange. J'aime toujours les portes étranges. C'est un truc qui me fait faire. Qui fait tout chose. Qui me rend tout chose. Bam 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 bam. Qui cherche la merde? Ça servait absolument à rien. Mais qu'est-ce qui était censé s'écrouler là? C'est joli ici, hein, j'aime bien les petits vestiges comme ça. Qu'à faire tomber le plafond? C'est parti, on y va! Ah! Mais regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Mais c'est dégueulasse! Et Ubisoft va falloir se calmer un petit peu sur les. Sur les bugs, hein. Aïe. 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 Ok, j'ai compris que je devais utiliser mon sniper, mais c'est pas une raison pour me tirer dessus comme ça. Voyons, on est amis, non? Bon, c'est parti. Toi, t'es le premier. Toi, t'es le deuxième. Il y en a encore un ou ça va? Où c'est calmé, là? Ça va suffire bientôt. Bon, fouille un peu ça. Puis, hop. Yop. Alors. En même temps, pour ce que ça rapporte, fouiller les cartes, je pense que je pourrais m'abstenir. Mais bon, allez, disons que si, c'est bien. Alors. La boussole, et bah c'est parti. Oh! Ça rentre tout seul, comme papa dans maman. Entrez dans la salle mythique, les tréfonds. Oh, un petit dragon de Komodo. Un petit dragon de Komodo. Voilà, pas me faire chier avec eux. Mais. Oh putain, c'est solide ces conneries. Eh mec, t'as de survivre à une roquette quand même. Hein. Voilà. On va pas s'embêter plus longtemps. Pas inquiétant du tout. Non, pas inquiétant, non. Hop.
Si le dragon de Komodo commence à résister au lance-roquettes, parce qu'on a des soucis à se faire une tortue géante, c'est joli, tiens. Sympa l'artiste qui a fait ça, il était tortufile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas. Un cul-de-sac. C'est effectivement un trou du cul-de-sac, mais ça sent surtout le piège en fait, Brody. Donc, on va marcher délicatement sur cette plaque. Il va y avoir un moyen de l'activer. Oui. Interagissons. Le yin et le yang. C'est parti. Évidemment, regarde en haut quand c'est en bas qu'il faut se... Non, ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas trop beaucoup ça. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Trouver le passage caché. Oui, je vais. Un trou. Je veux, ok, c'est bien. Un. Une tortue, c'est d'où je viens. Là, y'a rien. Et là-bas. Là-bas, il y a un conteneur. Wouh! Le conteneur ultime qui me rapporte 25$. Ok, bon, on va suivre les torches. Hein. Les torches qui sont allumées depuis 2000 ans. C'est parti. Rien de suspect là-dedans. Même si j'avoue être un petit peu circonspect, mais c'est pas grave. C'est quoi, c'est un dragon de Komodo, ça? Eh ben, ça ne l'est plus. Ouf! Suis-je arrivé dans la Batcave? Enfin! Batou, c'est moi! Oh, c'est haut et profond. Et ça fait très tout mon header encore une fois. Ouf! D'ailleurs, tout mon header que je vous conseille, qui était un jeu très sympa, mais qui. Ah, mais encore! Encore! Suffit, oui! Bordel. Oui, tout le monde va dire qu'un jeu très sympa, mais qui selon moi manquait de pas mal de choses et premièrement des énigmes en fait, des énigmes un peu plus poussées, enfin des vraies énigmes comme dans les premiers, parce que là du coup c'était un petit peu. Finalement, je trouve que les moments les plus chiants de Tomb Raider c'était les phases de combat. C'est un peu bête, mais oui, ça ne me dit rien qui vaille non plus. C'est vrai que et qui vient d'activer l'ascenseur en plus, c'est ça qui est le plus louche. Une sorte en bois qui fonctionne encore après toutes ces années. J'aurais pas confiance. Et bah voilà, qu'est-ce que je disais pas? Qu'est-ce que je... Fallait y attendre, Brody. Moi je ne dis plus rien. Tu fais le con, mais je te laisse faire. Tu me laisses pas diriger les opérations. Voilà, tout va bien. En fait, ta jambe serait juste broyée en vrai, mais heureusement tu es solide. Putain, et Buck qui m'envoie faire toutes ces conneries. Et je t'en foutrais, moi. Prochaine fois, il va tout seul, Buck. Oh, bah c'est pas par là que je vais sortir. T'as l'air tout content, Brody. Mais on va arrêter les serpents, oui. En fait, je commence à comprendre, en fait, oui. En fait, c'est à force de se faire piquer par autant de serpents. Enfin, piquer. De se faire bouffer par autant de serpents que ta tête devient un petit peu... Elle déconne un peu, ta tête, même si au final, ça a toujours été comme ça. On va dire que c'est une excuse. C'est une excuse. Wow. Wouh. Bon, j'avoue que wow, c'est quand même beau, hein. Bon, les serpents, ça va, c'est d'accord. Le dragon de Komodo, on va arrêter, hein. Arrêtez les conneries, là. C'est parti. Une partie de la boussole. Et ben voilà, évidemment. La loi des films et jeux d'aventure. Quand tu récupères l'artefact sacré, tout s'effondre. C'est un mécanisme très intelligent. Impossible à créer en vrai, mais. Ça prend bien le temps de voir tout s'effondrer. J'aime bien comme le jeu me rappelle qu'il faut que c'est match pour sprinter. C'est bon, je sais, ça fait quelques heures que je joue à ce jeu là. J'avais compris. Oh fuck. Cours, Brody! Cours, on s'en fout, t'as 5 habitants, cours! Wouhou! Nanana! Nanana! Ah, j'aime comme le jeu fait tout soi-même! Oh oui, vas-y! Lance-moi des QTE, ça me prend encore plus plaisir! Tu m'as
Non, mais juste deux secondes, excusez-moi, deux secondes. Quand même, Ubisoft, vous êtes sympa. J'aime beaucoup les jeux que vous faites en général. Vous avez des très bonnes idées, vous essayez d'être un peu original, on va dire, par rapport aux autres. Enfin, en tout cas, vous essayez des trucs, on va dire. Mais je suis désolé, mais dans trois quarts de vos jeux, on est assisté du début à la fin, et ça m'énerve. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est reparti. Salut, Buck. Comment tu vas? J'aime bien ta barbe. Hein? T'approche pas de moi. Quoi, c'est toi qui mène la danse? C'est à ça que tu joues? Hector, il semblerait que je perds le contrôle de la situation. Tu remballes tout et... tu ouvres Kiss en deux comme un vulgaire cochon, ok? Attendez! Oh bon, si c'est Hector, alors on va se calmer! T'as dit quoi, là? C'est vous qui menez la danse. Ah. Hector! Bonne nouvelle. Je pense que je reprends le contrôle. Ouais, laisse Kiss tranquille. Ouais. Alors, tu l'as retrouvé, mon couteau? J'y suis presque, ouais. Presque, monsieur. Sérieusement? D'accord, j'y suis presque, monsieur. Vas-y, place le morceau de la boussole. Oh, ça brille encore. Bon, ben moi je vais y aller. Ok. Sois prudent. A plus, allez, ciao. Bon, dis sérieusement, si c'était moi qui contrôlais tout ça, ça se passerait pas comme ça. Ah, je l'ai déjà dit, je le redis. Mais Bug, j'aurais déjà foutu sa tête dans ce caniveau là, dans cette espèce de marécage dégueulasse. Et j'aurais fait comprendre qui était le patron. Et Hector mon cul, il peut aller se faire foutre. Finalement, Keith aussi en fait. Ça vaut pas le coup de faire tout ça pour Keith. Laissons-le crever sur cette île. Appelons l'armée qui nous expatrie un petit peu. Sois intelligent, Brody. C'est à toi tout seul, c'est de faire tomber une armée de pirates. J'avoue que c'est courageux, c'est beau, c'est mignon. Ça se passerait pas comme ça en vrai. Désolé d'être réaliste, Brody. Mais tu n'es qu'un rêve. Alors, c'est joli par contre, c'est mignon, j'aime bien. Par où faut que j'aille, moi? Par il faut que j'aille, par... Oh? Ah non, je crois qu'il fallait que je change d'île, mais non. C'est parti! Alors on passe à Mananaki, et on se retrouve là-bas pour le prochain épisode. A tout de suite! Ramon! Mais... Ramon! Revenez! Non, c'est pas Ramon. Ah non, c'est pas Ramon. C'est pas grave. Pas grave. Ramon! Je vais t'appeler Ramon quand même. Viens ici. Je cours plus vite que toi. Je cours pas très vite, mais je cours plus vite que toi. Ramon! Je vais te ramonner le cul, Ramon! Pardon.